I don't know. Nous sommes prêts à partir. Ah, vous avez bonne mine. Merci. Oh, papa. Oui. Nous sommes sur le point de partir. Faites attention à vous. Quand vous serez à la fête, n'hésite pas à lui, à lui trouver une partenaire. Il me demande de trouver une partenaire. Je le ferai. Papa, est-ce la responsabilité de maman? Mon fils, Seko, ne sais-tu pas que... ne sais-tu pas qu'il y a un temps pour toutes choses? À ton âge, tu sais, tu devrais déjà être en couple, même si tu n'es pas prêt à officialiser l'union en la présentant à ta mère et à... Si tu n'as pas de relation maintenant, oui, mon fils, si tu n'as pas de relation maintenant, alors il te faudra encore 2 bonnes années pour que tu essaies de comprendre, une femme, tu sais ce que tu vois. Alors, mon fils, c'est maintenant que tu dois t'y mettre. Tu vois. Fais ce qu'il faut. Ton père a raison. Très bientôt. Je ramènerai une femme ici. Très bien, voilà ce que je vais entendre. Il l'a promis. Au revoir. À tout à l'heure. D'accord. Prends soin de toi. Ne traînez pas longtemps. D'accord. Ma fille, ta sœur est sur le point de repartir à l'école. Mm-hmm. Tu savais qu'elle aurait dû y retourner? Oui. Mais elle a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. Oui, de l'argent. Elle a besoin d'argent. Hey. Maman, je n'ai pas d'argent. Combien dois-tu lui donner? Moi? Bien sûr. Ah, ah. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Mais pourquoi cette question? Est-ce que j'ai un travail? Je n'ai pas de travail et je n'ai non plus d'argent. Que Dieu continue à te bénir. Amen. Que tu ne manques jamais de rien. Le Seigneur pourvoira. Maman, tu sais comment me flatter, je t'assure. Ce n'est pas comme si ma sœur ne m'avait pas donné d'argent. Mais ce qu'elle m'a donné hier n'était pas assez. Dis-moi, pourquoi devrais-je te le dire? Pourquoi devrais-je le faire? Ok, parle, je t'écoute. Je pensais que tu me donneras un peu d'argent, puisque tu vas bientôt payer tes cotisations mensuelles. Tu as bien raison pour la cotisation, mais je n'ai plus d'argent. Ah, que s'est-il passé? J'aurais dû collecter ma part juste avant qu'elle ne soit interrompue. Mais... Tu vois très bien que le musicien avait raison. Lequel? J'espère que tu comprends un peu ce que je veux dire. N'apprécie la contribution quand elle n'est pas perturbée. Oh, grand-mère, ce n'est pas le moment de chanter. Je dis que j'ai besoin d'argent. Tu t'attends à ce que je chante alors que mes égaux vont à l'école. Écoute, es-tu un enfant méchante? Es-tu un bébé? Vas-tu me dire que tu n'es pas au courant de tout ce qui est en train de se passer? Sans l'aide de Dieu et de ta sœur, quel aurait été notre sort? Grand-mère ne fait pas attention à elle. Elle tente juste sa chance avec toi. C'est quoi ton problème? Tout ce que vous dites ne me regarde pas. Tu te débrouilles seulement avec ce que je t'ai donné. Avec son corps mince qu'on pourrait se pas. L'argent que... Elle est juste dépensière. Je ne comprends rien. Elle tente juste sa chance, ne lui en fais pas. Merci beaucoup, ma chère. Je vais lui parler. D'accord, vas-y. Ma secrétaire va te donner le compte-rendu de l'endroit où elle s'est rendue. Que s'est-il passé? Madame, il a dit que vous appeliez avant qu'il ne s'occupe de mon patron. Ah! Pourquoi? Quel est le problème? Je ne sais pas, vous devrez peut-être appeler. Dit-il qu'il ne peut pas s'occuper de votre patron? Oui, madame. Ne le reconnaît-il pas comme mon fils? Oh, quel est son problème? Je ne sais pas. Au moins ça. Il sait que la société m'appartient et qu'elle est dirigée par mon fils. Mon fils et moi sommes tous 2 signataires. Oh, pourquoi le contrôleur général agit-il de la sorte? Maman. Oui. D'après ta déclaration, apparemment tu sais pourquoi il se comporte ainsi, n'est-ce pas? De toute façon, mon chéri, je comprends, je sais. Je sais ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est? C'est à cause de l'argent qu'il voulait récupérer la dernière fois et je ne lui ai pas donné. Ah. Je ne lui donnerai pas cet argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah. Écoute-toi parler. Donne-lui cet argent.
Tu sais qu'on a affaire à des gens haut placés et puissants. Que se passera-t-il si on ne peut pas la produire, c'est qu'il faut qu'on te le demande. Donne-lui de l'argent. Donne-lui de l'argent. Je lui ai donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée, mon cher. Je vais faire quelque chose. Vous pouvez partir. D'accord, monsieur. Ah, mon chéri. Mon chéri, je suis désolée. Maman. C'est arrivé comme ça. C'est inhabituel. Je suis désolée. Je suis toute lui. N'aurais jamais dû être sous. Si t'avais accédé à leur demande. Si t'avais accédé à leur demande. Tu sais qu'on a affaire à des gens haut placés et puissants. En plus, ils nous ont payés. S'ils viennent maintenant réclamer leurs marchandises, tu sais que je n'ai aucune excuse. Ah, j'ai dit que je ferai quelque chose. Fais vite avec cela. Je le ferai. Il n'y a pas de problème. Fais-le. Ah, je suis désolée, mon cher. Es-tu déjà fâchée? Occupée à l'étage. Paul, ami. Paula, es-tu déjà contrariée? Très drôle. Oh mon Dieu, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ils sont si drôles. Non. Pensent-ils que nous, les filles, nous sommes idiotes? Des insensés, qu'on ne sait pas ce qu'on fait parce qu'on est des femmes? Je ne comprends pas. Je t'assure, la notion générale de l'homme comme chef et la nécessité pour la femme d'être soumise leur rentre dans la tête. Je alors ça les pose très mal, vous avez parfaitement raison. Je ne dis pas que vous avez tort. Je pense que nous devrions nous accrocher à notre relation. Honnêtement, je le pense. Les autres hommes devraient l'être aussi, d'ailleurs. Pour de vrai. Combien d'entre eux sont mieux? Je ne t'occupe pas d'eux. C'est comme le gars avec lequel je discute, Foraloga. Je t'ai parlé de lui, est-ce que tu t'en souviens? Oh oui, bien sûr. Le gars m'a demandé de sortir avec lui. Et le type en question s'attend à ce que, à chaque fois que je le vois, que je lui saute dessus. Juste comme ça. Je me demande si c'est comme ça que les hommes invitent les femmes maintenant à sortir. Mais ce n'est pas grave. À peine déposer sa demande qu'il voudrait déjà que je sorte avec lui. Les choses devraient être aussi faciles. C'est ce que je ne soutiendrai pas. Vous savez, la population féminine est actuellement plus importante que celle masculine. Eh bien, dans ce cas, si un homme vous aborde, alors s'il vous plaît, je ne crois pas qu'il faille perdre du temps. Je pense qu'il faut dire oui, il n'y a rien de grave à ça. T'as une fille facile. Je l'aime bien, mais je ne peux pas lui sauter dessus comme buse. Ça. Non. Buse, c'est ton choix, c'est ta vie. Quoi que tu veuilles faire, vas-y. T'occupe pas d'elles, elles ont aussi leurs problèmes. Tu as tes propres problèmes. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Tu as tes propres problèmes. Tu as tes propres problèmes. Oui, c'est pas vrai, c'est tout. Tu as tes propres problèmes. Allô? Oh, comment s'est passée la journée? Qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? T'en fais pas, tu n'as rien fait, Mal. Alors, pourquoi est-ce que tu continues à poster alors que je te dérange? Je vais y réfléchir. C'est ce que tu m'as dit. Peut-être je vais te donner plus de temps. Pas de problème. Je ne suis pas pressé. Je t'attendrai, c'est sûr. Tu m'as manqué, alors... je voudrais que tu viennes me voir dans mon bureau. Ok. Je te rappellerai plus tard, d'accord? D'accord. D'accord, bye. Mon amour. D'accord, prends soin de toi. This is it. Funny at all. En fait, je discutais avec Rogba. Donc, je vais lui rendre une visite. Alors, qui m'accompagne? Comment ça, qui t'accompagnera? Moi, bien sûr. Tu sais que nous sommes très proches. Tu devrais donc m'amener. Hein? Hey, tu es drôle. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu réfléchis avant de parler? Non. C'est juste une question. Tu ne réfléchis pas avant de parler? Ok. Vous avez toutes les deux le teint foncé et vous allez toutes les deux au même endroit, alors vous n'aurez pas de reconnaissance particulière quand vous y serez. Mais ce serait l'inverse si jamais je venais avec toi. Une fois que nous aurons pénétré dans l'enceinte, ils seront impressionnés et tellement stupéfaits. En outre, je pourrais rencontrer un de ses amis. Ou alors, un membre de sa famille. Tu devrais comprendre ce que je dis, non? Ah, mon cœur, tout ça ne m'intéresse pas. Je veux juste t'accompagner en tant qu'amie. Tu sais que je te soutiens toujours. Elle ment. Elle ne fait que tromper. Tu veux la soutenir, en effet? Je ne suis pas intéressée par les relations comme toi. Les histoires, je ne te connais pas. Filles, comment vous allez? Quoi de neuf? Voici la personne qui m'accompagne. Ouais, elle va négocier la paix. Vous comprendrez bientôt.
Tu te souviens de Rorba? Celui dont tu m'as parlé que tu as rencontré? Je veux lui rendre visite demain et je veux y aller avec quelqu'un, mais elles ne peuvent pas partir avec moi parce qu'elles sont trop pressées. Mais je suis très douce. Toi, tu sais que je t'aime bien, mais t'es pas une personne calme. Tu pourrais y arriver et commencer à taper des commentaires inutiles. Quant à elle, elle est tape à l'œil, mais elle m'obéira. Elle est plutôt réservée. C'est pour cette raison que je préfère partir avec elle. Et je lui fais confiance, elle ne pourra pas m'arracher mon mec. Pas contre toi, j'ai peur de toi. Comment vais-je te piquer ton homme? Ma puce, qu'est-ce que tu en dis? Ça marche pour demain? Mais ça ne peut pas être demain, j'ai quelque chose de prévu. Qu'est-ce que c'est? T'as toujours un rendez-vous. Je ne peux venir avec toi demain. Qu'à une condition. Et tout ce qu'il va te donner, nous le partagerons toutes les deux. Tu comprends? Absolument tout. Et donc, à toi de me dire, je n'accepterai pas d'excuses. Comme autrefois, tu l'as toujours fait, alors dis-moi. Pas d'excuses. T'es toujours à la recherche de l'argent. T'en fais pas, ce sera 10%. Hein? J'ai dit 10%. Ce n'est pas juste. Cette condition est si bonne. C'est d'accord, je m'assieds. Pour allez, pas juste 10%. Ce n'est pas de ta faute. Tout ça, c'est à cause de toi. Allez, tu n'as pas tout gâché. Je plaisante. C'est 50-50. Je n'ai réglé ça pour nous. C'est pour faire à toutes les deux. C'est ça que nous sommes tous les deux meilleurs amis du monde. C'est un mensonge, pas quand il s'agit d'argent. 50-50. Tu es mon ami. You be like, say, moulala. Soyez les bienvenus. Oui, madame. Mon patron est en réunion, mais il vous rejoindra très bientôt. Ok, j'espère d'accord. que vous n'avez besoin de rien. Non, merci, vous êtes c'est sûr? Bon. Ne vous inquiétez pas, d'accord. On a besoin de rien. D'accord, merci. Ma puce, dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas ce gars, hein? Ce mec est vraiment mignon. Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais je ne le connais pas. Vais-je sortir avec quelqu'un que je ne connais pas? Tu sais, j'essaye juste de prendre du temps. Je ne comprends c'est pas. Tu sais. Tu perds ton temps pour un si beau mec. C'est pas question de beauté, tu... Fille? Oh! Salut! Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça, c'est mon ami Topé, mon ami. Toqué? Oui. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir. Asseyez-vous, prenez place. Merci. Oh, ma secrétaire ne vous a rien servi? Non, nous lui avons dit que nous allions bien. Y a-t-il quelque chose que vous voulez manger au bois? Non, pas du tout. Vous avez dit que vous vous appelez comment? C'est Toke Makiwa. Mes amis m'appellent TM. Wow. Toke Makinoa? Alors, tes amis t'appellent TM? Quel joli nom. Merci. D'où venez-vous? Je suis de Lagos. Lagos d'ici? Oui, c'est ça. Wow. Vous en avez l'air. Vous êtes très belle. Et vous avez un joli nom. Oh. J'adore ce nom. En fait, j'aimerais appeler mon enfant Toke. Oh. Ce nom est très simple. De toute façon, mon nom c'est Fola Rogba au Tedola. Encore ravi de faire ta connaissance. Merci. Je vous en prie. Oh, je suis désolé, je suis encore un peu occupé. Donnez-moi quelques minutes et je vous rejoindrai. Désolé, où se trouvent les toilettes? Voulez-vous utiliser les toilettes? Oui. Allez-y, c'est juste là. Vous savez quoi? Ne vous embêtez pas à utiliser celle-ci, utilisez celle de mon bureau. Oh, d'accord. Descendez tout droit. D'accord. Allez-y. La puce, j'arrive. D'accord. C'est juste... Alors, comment... D'accord. D'accord. Alors, dis-moi, comment va le travail? Fille, laisse ça de côté pour l'instant. Ah, tu ne vois pas que ton amie est si belle? Cette fille est très gentille. Regarde-la. Elle est si belle, si grande. Hein? Tu sais que j'aime les filles comme ça. Ne le vois-tu pas aussi? Tu sais quoi? Elle pourrait ne pas être capable de localiser les toilettes. Je m'en vais lui montrer rapidement. Mais tu lui as déjà tout dit. Je vais aller l'aider. Donne-moi juste une minute, d'accord? Oui. Je vais bien. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne fais rien du tout.
Je vais juste rendre visite à ma mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ok, je vais y réfléchir. Ne t'inquiète pas, je vais y réfléchir. Je vais y penser. Elle est aussi là. Dois-je lui passer le téléphone? D'accord. Pas de problème. Ne t'inquiète pas, je trouverai quelque chose comme ça. D'accord, prends soin de toi. Ok, bye. Qui est-ce que c'était? Avec qui est-ce que tu parlais tout à l'heure? En fait, c'est ton ami Roba. Je constate qu'il m'appelle depuis un moment. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Roba, le même Roba? Bien sûr, ton ami. C'est lui qui vient de te parler? Le même que je t'ai accompagné à son bureau. C'est sérieux. Roba que j'ai appelé ce matin et dont la ligne était coupée. Vraiment? Ouais, en fait, il n'a pas encore répondu à mon message. Il est peut-être occupé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce possible? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il t'envoie ses salutations. Oh, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Comme si tu savais, j'ai faim. Ça te dit des nouilles? Il y a du poivre? Tu ferais mieux d'aller les faire toi-même. Tu t'attends à ce que je cuisine pour toi tous les jours? Quel est le problème si tu prépares des nouilles? Tous les jours. Tu sais comment j'aime ça. Tous les jours. Va à la cuisine. Ne t'inquiète pas, je vais te prendre ce téléphone demain. Et donne-moi ça. Arrête ça! Est-ce que ça va? Tu ne fais que sourire. Cela veut dire que tu ne m'aimes pas? Ah. Fola, pourquoi penses-tu que je ne t'aime pas? Ah. Tu es vraiment très beau. Et en plus de ça, Fola Roba Otedola. Les Otedola que je connais dans ce pays sont très riches. Et aussi, ils s'occupent bien de leurs femmes. Alors pourquoi n'aimerais-je pas être avec quelqu'un comme toi? Tout à fait. Nous prenons tous soin de nos femmes. À part ça, j'aimerais que tu saches que je suis amoureux de toi. Ouais, je t'aime beaucoup. Et je suis prêt à prendre soin de toi. Ah. Tu plaisantes? Ah, c'est comme ça qu'on tombe amoureux d'une femme. Les hommes élaboratants. L'amour est-il si simple? Ouais, c'est possible, c'est possible. Je veux que tu saches que je t'aime. Et je le conclurai pour que tu sois tranquille. Qu'est-ce que c'est? Salut! Ah, ah. Maman. Mon cher Fola. Oh, as-tu une réunion? J'espère que ce n'est pas une réunion officielle. Ok, Est-ce que c'est ta maman? Ouais, c'est ma mère. Waouh, elle est très belle. Bienvenue, madame. Levez-vous, je vous en prie. Est-ce qu'elle fait partie aussi du personnel? Non, ce n'est pas une employée, c'est une amie. D'accord. Quel est votre nom? Toke Makinwa, madame. Toke Makinwa? Oui, madame. Quoi qu'il en soit, vous êtes la bienvenue. Merci, madame. Folami. Maman. Quoi qu'il en soit, ta réunion officielle ne s'arrêtera pas là. Tu la ramèneras à la maison pour une rencontre officielle avec moi. Oh, vraiment? Tu m'entends? Ah, madame. Oui. Merci beaucoup, madame. Je vous Alors, en prie. Alors, est-ce que je viens, madame? C'est à lui d'en décider. D'accord. Merci, madame. Je suis venue t'informer, car je pars. Prends soin de toi. Au revoir, ma chère. Madame. Au revoir, maman. Bonne journée. Maman. Ah, ta mère. Elle est très drôle. Ouais. C'est sa nature. Je l'aime bien. Elle est aussi joviale. De toute façon, pouvons-nous aller déjeuner? Ouais, y a pas de problème. C'est bon, laisse-moi conclure rapidement. Ok. Papa Fola, voici la fiancée de ton fils. Elle s'appelle Toke. En fait, je l'ai rencontrée et c'est une femme responsable. Exactement. L'opinion d'une femme est toujours très forte. Lorsque
Lorsqu'elle aime quelqu'un, une fois que vous aimez quelqu'un, vous ne voulez plus rien savoir. Dans cette maison, nous sommes aussi une famille responsable. Exactement. J'ai choisi une femme. Une femme issue d'une famille responsable. Dans ma famille, nous sommes aussi responsables. J'ai prié aussi pour ma princesse afin qu'elle soit favorisée sur le plan matrimonial. Par la grâce de Dieu. Êtes-vous Ritoké ou Adetoké? Je voudrais savoir lequel des deux Toké êtes-vous. C'est Olatoké, monsieur. Olatoké. Merci, papa. D'où venez-vous exactement? Je suis d'Isale Eko, monsieur. Isale Eko? Ah! C'est un très bel état. Êtes-vous ici pour une amitié ou pour le mariage? Monsieur, c'est pour le mariage. C'est moi votre mari et non lui. Soyez assuré qu'il a quelqu'un et qu'il respecte quoi qu'il vous fasse. Il a une racine et je peux toujours le rappeler à l'autre. Merci, monsieur. Papa. Je vous en prie. Allez, merci, papa. Vas-y. Va cuisiner quelque chose à manger rapidement. Ok. T'as pas à la tresser. Tu devrais aller cuisiner seule. Ne te fais pas de soucis. Elle devrait y aller. Non, non, elle est encore occupée avec son verre. Baba, je vais y aller. Allez, je vous rejoins, belle-sœur. Voilà. Ok, laisse-moi te dire. Ok, comme tu peux voir, bienvenue chez toi. Oh, ma belle sœur, c'est vraiment magnifique. Je suis là. Comment ça? C'est quoi ce deal? Quel est le deal? Qu'est-ce qui se passe, la fille? Rien. On était juste en train de bavarder. Vous m'avez laissée toute seule au bar pour venir bavarder ici dehors, toutes les deux? Je suis désolée. Nous sommes juste venues ici pour discuter. C'est si important que ça ne pouvait même pas attendre. Je suis désolée. Es-tu fâchée? Ah ah! Ma puce, ne l'écoute pas. Elle n'est pas honnête avec toi. Ah ah! Tu mens? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que je te parle toujours des appels de Rogba. Rogba t'appelle? Ah oui, il me dérange avec ses appels et je suis allée le voir au bureau. T'es allée voir Rogba au bureau? Bien sûr. T'es allée voir Rogba au bureau sans même me tenir informée. Rogba non plus ne m'a pas appelée pour m'informer de ta visite. Ah ah! Pourquoi tu te comportes ainsi? Et en fait, nous avons commencé à sortir ensemble. Et il m'a... Ah, laisse-moi parler, dois-je mentir? Nous sortons ensemble. Il m'a présenté à ses parents quand je leur ai rendu visite. Alors, voilà ce qui se passe. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'il y a, non? Ils ne sortent pas ensemble. Il a juste invité à sortir. Tais-toi! Elle a dit qu'il réfléchissait encore. Hey. Ah, c'est une grosse affaire. Non. Ce que tu essayes de me dire, c'est que Rogba t'a invité à sortir. Oui? Il t'a invité à sortir. Il t'a invité chez lui. Il t'a fait rencontrer ses parents. Tu es allé rencontrer ses parents. Mmh. Et tout ceci s'est produit, tu ne m'as rien dit. Dois-je te demander la permission avant de sortir avec quelqu'un? De plus, c'est pas ton petit ami. Oh, il t'a demandé de sortir avec lui. Tu as dit que tu réfléchissais et moi j'ai accepté. Ça suffit. Est-ce que tu l'entends parler? Non. Attends, fille. On sortait ensemble. Hey, non, fille. C'est quoi le problème? Peux-tu voir ce que tu as causé? Pourquoi tu es comme ça? Tu es toujours... C'est quoi le problème? Tais-toi! Fille. Quelqu'un t'a dit de sortir avec lui et t'a dit que tu y réfléchissais. Mais j'ai accepté sa proposition. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Ai-je fait quelque chose de mal? Ah, tu n'es pas du tout intelligente. Es-tu comme ça à cause d'un homme? Tu as l'air en deuil. Est-ce si grave? Il a fait le pire. Tu devrais passer à autre chose. Votre comportement n'est pas du tout encourageant. Toi en particulier. Vous troublez les gens. Qui est le mec en question? Écoute, Darasimi, tu ne peux pas comprendre. Comment? Que veux-tu dire? Tu vois le gars en question. Je l'aimais bien, même si je n'avais pas encore accepté sa proposition. Je l'aimais bien. J'attendais juste le temps de pouvoir le connaître avant de lui dire oui. Imagine, la première fois qu'on devait se rencontrer, j'ai amené mon ami. Je ne sais même pas pourquoi j'ai amené Topé. Je ne sais même pas comment ils ont échangé de numéro ce jour-là. Ah ah. Tout d'un coup, ils ont commencé à sortir ensemble. Imagine. S'agit-il d'une aventure ou d'une relation? Sortent-ils vraiment? Non, ils sortent ensemble.
Ils sortent ensemble au moment où nous sommes même en train de parler. Donc ils ne te parlent plus? Ils s'exhibent partout, même devant moi, ils ne se soucient même pas de moi. Ah ah, je t'assure. Fais-moi voir sa photo. As-tu sa photo? C'est un gars mignon. Juste comme ça? Je t'assure, ma puce. Et je ne sais même pas ce que je peux faire. Et dis que je faisais confiance à Topé plus tôt. Les hommes sont des animaux. Il s'agit de Toko. Montre-moi sa photo. Je voudrais le voir. Regarde-le. Il s'appelle Rogba. Rogba Otedola. Rogba Otedola. Ouais. Attends, je vais te montrer une autre. Regarde-le. Son visage me dit quelque chose. Ouais, il est probable que tu le connaisses parce que ses parents sont énormément riches. Non, 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 non. Je ne le connais pas, il me semble familier. Il est parti pour de bon. Tu dois aller de l'avant. Il a fait le pire. Je n'aime pas que tu sois dans cet état d'esprit. Tu trouveras quelqu'un de mieux. Je suis juste déçue qu'il ait pu faire une chose pareille. Mm-hmm. Et même Toké, que je pensais être mon amie. Tu devrais me mettre heureuse. Comment peut-elle être aussi méchante? Tu devrais être heureuse. Et si vous étiez déjà mariée, il pouvait s'en prendre à moi ou à n'importe quel membre de la famille. S'il pouvait le faire avec ton ami. Bien sûr, tu devrais être reconnaissante. Je sais que je n'aime pas te voir ainsi. S'il te plaît. Je pensais avoir trouvé une personne responsable. C'est bon, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Tu trouveras un autre homme qui sera digne de toi. Tu mérites mieux que ça. Il n'est même pas mignon pour commencer. Tu mérites mieux que ça. Il n'est même pas mignon. Hein? Tito! Tu fais comme si rien ne s'est passé? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'exclames? De quel droit retires-tu de l'argent de mon compte? Oh, oh. Oh! Penses-tu que tu peux prendre ma carte dans ta chambre? Comme tu le souhaites, juste parce que tu m'aides à retirer de l'argent? Tu as retiré toute une somme de 3000 naira! Ne vois-tu pas? Oh, grand frère, j'ai décidé de profiter un peu de toi. Est-ce la première fois que je retire de l'argent de ton compte? Avec tous les fonds qui se trouvent sur ton compte, j'ai retiré 150 000 naira hier et aujourd'hui encore. C'est la raison pour laquelle tu me cries dessus. Donc, tu aimerais me dire que 300 naira, c'est rien? Ce n'est pas de l'argent. Es-tu folle? Je suis morte! Idiote! Je suis morte! Tu me dis que 300 000 naira, c'est rien? Tu es malade? L'avons-nous gagné ensemble? Alors tu veux me faire du mal? Ah, me battu à cause de l'argent que j'ai pris sur ton compte. C'est pour ça que tu me bats. Ah ah, tu n'es pas satisfait de tout l'argent que papa te donne? Ou alors tu te comportes mal parce que tu es le responsable de l'entreprise de papa? Écoute-moi très bien, grand frère. Tu peux changer notre position dans la famille. Tu m'as chifflé si fort. Je vais m'occuper de ton cas, tu peux me croire. Oh, tu veux me tuer? Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu peux aussi bien me tuer. Ou qu'est-ce que tu ressens? Ah ah, et c'est pour ouais, ça que tu peux aussi bien me tuer. Tu es méchant. Ou qu'est-ce que tu ressens? Tu es si méchant. Ah, ah. Il m'a giflé parce que j'ai utilisé l'argent. Je vais te gifler encore si tu dis quoi que ce soit. Tu ne peux pas me gifler. Je t'interdis de le faire. Tu parles à ton frère aîné de cette manière. Qu'est-ce qui n'est pas? Reviens ici. Il fallait m'attendre. Maman, je n'en peux plus. Tu imagines? Tu veux lui faire du mal? T'as choisi d'éduquer cette fille comme tu le souhaites. Quel est ton problème? Si elle t'a fait du tort, informe-moi au moins ça. Tu l'as frappée et vous souhaitiez tous les deux la mort de l'autre. Veux-tu la tuer? Pourquoi prendrait-elle 300 000 naira dans mon compte? T'aurais dû m'appeler? Tu vois, juste parce qu'elle a pris 300 000 naira dans ton compte, tu aurais dû m'informer au lieu de la battre. Et si quelque chose est arrivé pendant que tu la battais, fais attention, Fola. Fola, fais attention. Quel est ton problème? Je ne veux plus jamais te voir la toucher. Ah ah, ta seule sœur. Biologique, issue de la même mère et du même père, vous n'êtes que deux. Bon, les titans! Bon, les titans! Madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon après-midi. À quoi pensez-vous? Ce n'est rien. Comment est-ce que tu vas?
Bien, ce n'est rien, mais vous êtes tellement perdue dans vos pensées. Non, ce n'est rien, t'en fais pas. Je me demandais juste... Comment est-ce qu'une dame peut-elle s'emparer de l'admirateur secret de son ami? Des amis très proches, et elle savait très bien que son ami avait de l'estime pour ce gars. Qui a volé votre petit ami? Ce n'est pas que quelqu'un m'ait volé mon petit ami, c'est que je ne fais qu'y penser. Je l'ai vu dans un film. D'accord. Ça me surprend donc énormément que quelqu'un puisse faire ça. Je l'ai juste vu dans un film. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchante? Comment est-ce que tu peux voler l'admirateur de ton ami, sachant très bien que ton ami est intéressé? Comment? Qui est-ce qui fait ça? Mais ce n'est qu'un film, n'est-ce pas? C'est un film, mais ne sais-tu pas que ces histoires arrivent dans la vraie vie? Ah! Nous regardons les films pour apprendre. Tu ne comprends pas ça? On serait considéré comme méchant si on rendait l'appareil à quelqu'un qui nous a fait du mal. On serait considéré comme méchant. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Le linge est là-bas. Assure-toi de bien faire la lessive, s'il te plaît. Sépare les vêtements blancs des vêtements colorés pour qu'ils ne soient pas tachetés. Après, tu pourras les laver avec le savon que j'ai gardé là. D'accord, madame. Merci. Just give it to the Lord. Put it me, Olumoro Toda. By that you will get that I can say. This is the surprising. Oh, Fing. Désolé. J'avais quelque chose à faire rapidement. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Oui, je voulais te voir. En fait, j'ai entendu dire que Topé et toi étiez ensemble depuis quelques jours. Il y a des ragots qui courent que vous sortez ensemble il y a un bon moment maintenant. Mais j'ai pas voulu y croire. C'est insensé. Alors j'ai décidé de venir le confirmer chez toi. Je suis venue te voir pour que tu me dises toi-même si tu sors avec mon ami Toki. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas que c'était pour ça que t'as demandé à me voir. Cependant, nous sommes amis depuis longtemps. Pas vrai? Bien, nous sommes amis depuis longtemps. Et tu as dit que tu avais besoin de temps. Mais alors, t'as pas toujours répondu. Alors, tu devrais comprendre quelque chose. Tout dans cette vie est une coïncidence. Dieu t'a juste utilisé pour trouver ma femme. Oh oui, ton ami est le partenaire que Dieu m'a donné. Alors, je n'aimerais pas que tu te sentes offensé. Laissons juste les choses comme Dieu l'a voulu. Tu vois? J'aimerais juste que tu saches que nous sommes toujours amis. Et tu pourras toujours me faire confiance, quoi qu'il advienne. Ok? Dieu s'est servi de moi pour que tu rencontres Toki. D'accord. Qu'est-ce que je t'offre? Fille. Non, t'inquiète pas, c'est bon. Es-tu en colère? J'ai dit que j'étais désolée, ce n'est pas jusqu'à ce point. Fille! Thank you.
Où est Fula? À qui appartient cette voiture d'arrêt? Je venais justement vous voir. Votre ami m'a demandé de vous rappeler à propos de la fête. Écoute, je ne vais pas à leur fête. Tu ne vois pas que je ne porte pas leur uniforme. Je l'ai déjà informé, je ne viendrai pas avant la tombée de la nuit. Elle sait aussi que je ne peux pas venir. Elle a apporté les tissus en retard. Permettez-moi de vous aider. Maman, qui sont ces hommes? Je ne sais pas. Bonsoir, mesdames. Bonjour, monsieur. Nous sommes de la police criminelle de l'État. Comment pouvons-nous vous aider? En fait, nous avons vu une voiture garée sur le long de la route à Ikeja sur notre chemin. Et en fouillant la voiture, nous avons trouvé des documents qui appartiennent à cette maison. C'est pour ça que nous sommes là. Vous avez vu une voiture? Vous avez fouillé à l'intérieur et vous avez trouvé cette adresse? Le nom figurant sur les documents, c'est Fola Rogba. Oui, Fola. Fola Roba, c'est mon fils, c'est mon enfant. Il s'agit de mon beau frère. Que s'est-il passé? En fait, écoutez, lorsque nous avons fouillé la voiture de votre fils, eh bien, dans cette voiture, nous avons retrouvé Fola Rogba. Mais malheureusement, c'était son cadavre. Vous avez trouvé quoi? Mon fils! Mon fils! Mon fils! Mon fils! Calmez-vous, madame. Mon fils! Vous dire? Que voulez-vous dire? Maman, dis-moi, t'es encore là? Oui, je profite très bien de mon jeu. Tu ne vas pas manger quelque chose? Non, non. Je savoure celui-ci. Je vais très bien. T'es sûre? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai faim. Je vais aller manger. Si t'as faim, fais-le-moi savoir. Vas-y, ma fille. Mes enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. S'il vous plaît, nous cherchons Fille in Follower. De Ita, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes de la police criminelle de l'État, madame. Vous dites que tout va bien? Écoutez, nous sommes des détectives. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, tout va bien. Écoutez, nous aimerions voir mademoiselle Fille in Follower. Ok. Eh bien, c'est moi, Fille in Follower. Ok. Madame Fille in Follower. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Fola Rogba de là. Et sa mère, c'est moi. Je suis sa mère. Madame, ce que mon collègue essaye de vous dire, c'est tout simplement que quand monsieur Fola Rogba Otedola est décédé, notre enquête a bien évidemment révélé que votre fille était au courant de sa mort. Est-ce que j'étais au courant de la mort de Rogba? Madame Fille in Follower, vous avez le droit de garder le silence ou tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que vous allez amener ma fille? Madame, calmez-vous. Laissez ma fille et amenez-moi. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Amenez-la. Laissez ma fille, je vous en prie. Prenez-moi, je vous en prie. Maman, ne me laisse pas tout brutaliser, c'est bon, ne t'inquiète pas. Ça va aller, je reviens, à tout à l'heure. Hé, attendez, s'il vous plaît. Est-ce que tu viens de faire pipi là où on va dormir? Pisser là où on va dormir? Ah, je vais même déféquer si j'en ai envie. Et ils viendront l'emballer. Tu veux que j'utilise ces toilettes infestées de punaises pour être infectée à mon tour, c'est ça? Je ne veux pas être infectée. Tu veux dormir? Mets le pipi à côté de tes mains pour avoir assez d'espace. Tu comprends? Tu as de la chance que je n'ai pas envie de déféquer. Sinon, tu aurais vu ce que j'aurais fait ici. Allez, tu peux dormir. Tu n'as qu'à pousser le pipi à côté de tes mains et profiter de ton sommeil, tu comprends? Ah. Nous sommes habitués à ça. Ils viendront et feront leur travail. Ceci n'est pas nouveau. Je mangerai même ici. Tu es puni, c'est pour ça qu'on ne t'a pas apporté de nourriture dans la cellule. Tu te couvres le nez. Tu ne te mélanges pas, ce n'est pas grave, tu viens d'arriver. Tu seras bientôt intelligente. Tu comprends? Je sais très bien que tu viens d'une maison de riches. Je viens d'un milieu pauvre à Bariga. Tu n'es pas au courant? Pas de problème. Je le nettoierai avec mon habit si je commence à somnoler. Tu comprends? Essuie-le avec ton habit! Tu n'as pas encore sommeil, c'est ça? D'accord, cet endroit est trop calme. Il aurait fallu faire venir des gens ici. Les jours se font plutôt rares depuis environ 2 jours. Il n'y a que nous deux. C'est peut-être ton esprit qui est à l'origine de tout ceci. Cet endroit est si terne et tellement vide. Tout devrait normalement être en train de bouillonner à cette heure.
don't know, wake me up. Suspect. This is bad. This is deep. This is touching. This is touching. No. Suspect. We says I gave you see you to be the oh, you go, oh, you me lo to me oh. Suspect. Oku ise opolo. Suspect. I need to wake up and know what is happening here. Suspect. I don't know if you suspect you're gonna move around. Suspect. What is happening here? I want to know. Shame in here, be what people go and you. Suspect. Sometimes could die. You know any your good did you? Olé moi, Chino. Monsieur? Oui. Désolé, j'aimerais juste clarifier une ou deux choses. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, je veux dire, avant l'incident. Je fais référence aux cas les plus fréquents. Les gars qui gardent les mauvaises fréquentations ou qui sont impliqués dans des affaires de gang ou les affaires louches. Alors, je ne sais pas si il y aurait un mauvais comportement que tu aurais constaté ces derniers temps. Si j'ai bien compris. Je n'ai jamais vu mon fils avec de mauvaises compagnies. Oui, c'est vrai que je n'ai pas suivi à l'école, mais je n'ai jamais reçu de mauvais rapports à son sujet jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Vous comprenez? Je suis d'accord, monsieur. La seule chose est qu'à chaque fois qu'il avait besoin d'argent, que je lui en transfère sur son compte, il pouvait dire qu'il allait au club. Je connais tous ses déplacements. Écoutez, vous savez, ils utilisaient parfois cet espace comme le club, ou même encore la cour. Cela ne me dérangeait pas, car je ne voulais pas qu'il ait de mauvaises fréquentations. Si votre enfant... Vous savez, si votre enfant a de mauvaises fréquentations, vous pourriez en identifier. Oui, pour rien identifier. Un ou deux de ses amis qui ont des attitudes que vous n'appréciez vraiment pas. Vous avez raison. Il n'y avait rien de tel. Écoutez, vous savez, en tant que père, je n'ai absolument aucune relation d'affaires avec qui que ce soit. Je suis le seul propriétaire de mon entreprise. Oui, je suis le seul propriétaire de mon entreprise et Dieu m'a vraiment fait prospérer. Au point de devenir un philanthrope. Écoutez, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Écoutez, vous savez, le médecin a confirmé qu'il serait mort des suites d'une substance qu'on l'aurait forcé à inhaler. Oui, qu'on l'aurait forcé à inhaler. Messieurs, vous avez beaucoup de travail à faire. Que Dieu vous aide. Amen. J'aimerais connaître la fin de cette affaire. D'accord, monsieur. Monsieur, pouvons-nous voir votre femme? Nous avons des questions à la poser. Bien sûr, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Je vous appellerai de temps en temps. Je vous en prie. Chen, ma chérie, il faudrait mieux que vous m'aidiez. Les policiers sont des membres et non des ennemis. Vous avez dit que cette femme est votre grand-mère? Ah, sachez que si vous nous aidez, vous nous aidez et vous aidez aussi votre grand-mère. D'accord? Ou alors, préférez-vous d'être puni, c'est ça? Avouez donc. Ma chérie, avoue s'il te plaît. Avoue s'il te plaît. Même si tu ne peux pas avouer au monde entier, confie-toi s'il te plaît.
Si tu ne peux pas le faire au monde entier, confie-toi à nous, s'il te plaît. S'il te plaît, ma chérie. Ils ont dit que tu seras graciée si tu avoues. S'il te plaît, avoue. S'il te plaît, ma chérie. Vas-y, dis quelque chose. Grand-mère. Grand-mère. Je veux dire quelque chose. Vas-y. Et Darasimi, elle est à l'école. Elle est à l'école, oui. N'est-elle pas au courant de tout ce qui se passe? Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit à propos de ceci. Tu ne lui as rien dit? D'accord. Maman, je ne veux pas que Darasimi soit au courant de tout ce qui se passe actuellement. Ne lui dis rien, s'il te plaît. Je le souhaite aussi. Mais comment cela sera possible? Comment ne saurait-elle pas si c'est que tu... Si c'est que tu refuses d'avouer, comment ne serait-elle pas au courant? Comment ne serait-elle pas au courant? Oh. C'est à propos d'aujourd'hui. Ma chérie. Écoute, je ne sais rien à propos de tout ceci. Je ne sais rien. Fermez-la, ma chère. Je vous dis de la fermer. Officier, dans 5 minutes, ramenez-la. D'accord. Tiens compte de mon âge, ma fille, s'il te plaît. S'il te plaît, ma fille. Grand-mère, s'il te plaît. S'il te plaît, ma fille. Je ne sais rien. Avoue, s'il te plaît. Ta paix sera aussi ma paix. Je ne sais rien. Attache, ma fille, s'il te plaît. Ta paix, ma paix. Votre temps est écoulé. Vous pouvez vous en aller. Je vous en prie, ne me ramenez pas là-bas. Je vous en supplie, je vous demande, monsieur. De vous laissez-moi rentrer avec Lèvez-vous, ma grand-mère. Lèvez-vous, mesdames. Je suis innocente. Debout. Je suis vraiment impressionnée. Je peux t'assurer, je suis impressionnée par ton courage, ma chère. J'ai entendu dire que ton ami avait une liaison avec ton copain et que tu l'as éliminé. Oh, mort! Nous voulons ton genre dans la société. Quelle est ta peine, dis-moi? Après 15 ans, tu seras libre et rebondissante comme jamais. Personne ne saura que tu étais absente. 15 ans. Juste ça. Sais-tu combien de personnes j'ai poignardées à mort, est-ce que tu sais? C'est arrivé à un point où j'ai failli poignarder ma mère, je te le dis. Oh. Tu comprends? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu te comportes comme une fille raffinée, dis-moi? Nous sommes dans une cellule ici, tu dois être intelligent, tu comprends? Hein? Et surtout, ouvrir tes yeux. Ah, j'aime le fait que tu l'aies éliminé. Ces hommes sont des êtres malheureux. Ils agissent sans cesse comme s'ils étaient les chefs. Mais nous, les femmes, avons le devoir de les réduire à leur juste valeur. Ah, ce n'est pas facile pour moi d'être ici. Ma sœur, tu comprends? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu pleures? Ah, celle-là est une imbécile, je te le jure. Ah, je te l'ai déjà dit, dans 15 ans, tu feras briller tes yeux. Quoi? Ah, tu n'es pas intelligente. Ah, ah, celle-ci est sûrement amoureuse. Tu pleures toujours. Tu as de la chance. Que Debbie ne soit pas là, elle t'aurait poignardée. Tu dois être courageuse. Ah, tu ne comprends pas? Oh, cet endroit s'appelle l'école. Êtes-vous vraiment sûr de toutes vos déclarations, orales et écrites? J'espère que vous n'êtes pas en train d'essayer d'inventer quelque chose pour qu'on puisse vous croire. Oui, monsieur l'agent, toutes mes déclarations sont... Eh bien, correctes. Je suis sûre que Fiyin est responsable de la mort de Fola Rokba Otedola. Elle l'a tuée par jalousie. Oui. Je suis sûre qu'elle l'a tuée. Officier, elle l'a tuée. Hein? Il l'a invitée à sortir. Elle a refusé et il est passé à autre chose. Et elle l'a tuée pour ça. Par jalousie. Exactement. Oui. Elle l'a tuée comme ça. Jalouse. Comme si c'était une chèvre. Oh. Les filles, vous devriez craindre Dieu. Craignez Dieu. Oh. Officier, hey. Je vais vous donner mon point de vue. Fiyin ne sait rien de la mort de ce hein? Quoi? Laissez-moi parler pour l'amour de Dieu. Oh. Fiyin est innocente. Ne nous laissez pas punir les innocents. Elle ne faut que mentir à son sujet. Fiyin ne peut pas tuer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez défendre votre déclaration si l'affaire est portée devant le tribunal. D'accord, monsieur. Je viendrai si je suis dans les parages.
Ah, tu y seras. Oui, Feiyi est responsable. Officier, je suis très très sûre de ça. Elle l'a tué. Elle l'a tué. Toyi, nous sommes ensemble. Ah, nous sommes ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Okay. Elle a dit nous que nous sommes ensemble. Êtes-vous sûre que vous viendrez? Nous ne devons pas baisser les bras. Officier, c'est lui qui a fait ça. Doit payer. Ok. D'accord. Merci, monsieur. Vous connaissez la vérité. Tais-toi. Tu sais qui est là. Vous devriez craindre Dieu. Craignez Dieu. Je ne suis pas l'amie du meurtrier. Elle est votre amie. Arrêtez. Alors, c'est votre vrai visage. Vous l'avez tué. Il est interdit de faire des bruits par ici. Parlez, jalousie. Écoutez, mademoiselle, vous pouvez vous installer dehors, s'il vous plaît. Et tu continues à mentir. Tu le sais, regarde. J'ai peur que vous deviez méchante de meurtrière. Meurtrière, t'es une personne malheureuse. Vous êtes très malheureuse. Mon chef, madame, cette femme est là pour déposer sa déclaration à propos d'une affaire. C'est pour cette femme dont nous nous occupons. Elle prétend qu'elle est leur femme de ménage et qu'elle travaille pour eux. Je suis la blanchisseuse de Madame Feiyi. Elle m'a demandé un jour si c'était mal pour elle de faire du mal à quelqu'un qui lui a volé son petit ami. Tu vois, je savais que la suspecte est une criminelle célèbre. Il faut obtenir sa déclaration. À vos ordres. Allez, on y va. Ok, allons-y. Un meurtre. Oh, et personne n'a pu appeler pour m'informer jusqu'à ce que l'affaire arrive jusque-là. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Vous auriez dû m'appeler dès qu'elle était arrêtée. Mais pourquoi accuserait-il ma sœur de meurtre? L'a-t-on trouvé avec un couteau ou quelque chose comme ça? Je pensais que ce n'était rien. J'ai aussi posé la même question. Mais... les circonstances entourant l'affaire me font aussi douter de... Ça me donne envie de douter que... Douter de quoi? Que ma sœur a commis un meurtre? On a dit qu'elle n'aimait pas la fiancée du type. Alors on ne peut rien dire. Non, 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 ma fille. Arrête de dire ce genre de choses. Non, 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 il faut arrêter de dire ça. Aide-moi à lui demander. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est le problème avec ce type? Je ne comprends rien. C'est vrai que Robba a fait quelque chose de mal, mais... Exactement. Mais Dieu a compensé ma propre fille. Il a remplacé Robba par quelqu'un de plus meilleur, bien. Plus riche. Qu'est-ce Alors pourquoi serait-elle jalouse? Pourquoi serait-elle jalouse? Hé hey. Écoute, grand-mère, reste en dehors de ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ne stresse pas. Ce n'est Maintenant pas Maintenant qu'il y a un avocat, il n'y a plus de problème. Détends-toi. Tout sera réglé. Juste relax. Je vous remercie et je vous fais Pourquoi confiance. Est-ce si grave? Ne t'inquiète pas. Nous irons demain. Vous êtes si courageuse. Je suis fatiguée. Vous êtes vraiment courageuse. Et vous êtes aussi méchante. Vous êtes ici après que votre fille ait tué notre fils. Elle a tué mon Folarog. Après avoir tué mon fils. Vous êtes une femme méchante. Vraiment. Votre fille va pourrir en prison. Elle pourrira en prison. Votre fille va pourrir en prison. C'est vous qui êtes venu me voir, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est moi. Vous ne manquez pas de courage. J'avoue que vous êtes vraiment courageuse. Votre fille a tué mon fils. Votre fille a ôté la vie à mon fils. Et pourtant, vous êtes ici. Comment pouvez-vous consoler quelqu'un dont la mère a été tuée par un léopard? Répondez-moi. Vous auriez été désolé si l'un de vous était un homme. Si un homme vous avait accompagné, alors vous auriez pu être... Non, mais croyez-moi. Vous auriez pu cette lieu en rentrant chez vous. Je vous le jure. Je vous en supplie au nom de Dieu, tout-puissant. Je vous supplie au nom de mes ancêtres.
de vous lever immédiatement et de rentrer chez vous. Je ne sais vraiment quoi vous dire, et pitié, monsieur. Je vous demande de partir. Je vous en supplie, monsieur. La personne qui vous a permis d'entrer aura des ennuis. Et pitié. Et... Je vais vous frapper avec ce vase. Ah, vieille folle. Ah. Ça va aller. Allons dans la chambre. Seigneur, prends pitié de moi, je t'en prie. C'est quel sort il méritait ça. Je suis là pour quelque chose que je connais même pas. Je suis innocente, je me sens... Et toi, dis-moi, est-ce que tu es folle? Réponds, est-ce que tu es folle? Tu ne vois pas que tu perturbes mon sommeil avec tes pleurs stupides? Est-ce que tu es attaquée? Mais c'est quoi ton problème? Je ne te fais parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te frapper la bouche. Est-ce que tu es folle, hein? Je suis en train de t'aider. J'essaie même de t'aider. On t'a envoyé me perturber ou quoi? Dis-moi, est-ce que tu es folle? Si j'entends encore ta voix, si tu émets encore un son, je... Parle. J'appellerai les officiers, je te le dis. Ah! Es-tu folle? Je t'ai demandé de te taire. Ah! Tu veux me dire? Je vais frapper ta bouche. Aidez-moi! Ah! Si tu continues, je vais frapper ta bouche. Ah! Officier! Venez ramasser cette chose que vous... Je... Ah! C'est quoi ton problème? Laisse-moi profiter de mon sommeil, tu comprends? Ah! D'accord. Je pense que tu ne sais pas où tu te trouves. Ferme-la! Je ne peux pas entendre ta voix. Oh. Laisse-moi dormir. J'apprécie cet endroit. C'est devenu ma maison. Je partirai et je reviendrai toujours ici. But I need someone to wake me up. Yeah, wake me up. I need to wake up and don't want... Merci beaucoup, mes enfants. Maman, nous sommes ici parce que vous êtes assez âgée pour être notre mère. Mon Dieu. Nous ne sommes pas censés traiter votre fille comme une étrangère. Mais nous avons besoin que vous veniez parler à votre fille pour qu'elle puisse se confesser à nous. Nous saurons exactement quoi faire dans cette affaire si elle avoue. Ce n'est pas une affaire négligeable. Vous savez aussi que la famille Otedola, à laquelle vous vous opposez, est une famille très influente dans ce pays. Il faut faire attention quand on s'attaque à cette famille. Vous savez qu'elle est très grande et très forte. Toutes nos enquêtes établies ont révélé que votre fille est effectivement coupable de toutes les fautes qui lui sont reprochées. Tolatus, bien que nous avons pu parler avec elle à plusieurs reprises, elle a catégoriquement refusé d'avouer. Nous pensons qu'elle peut se confier à vous. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai personne d'autre à part Dieu et ses enfants. Je n'ai personne d'autre à part ses deux enfants et Dieu. Leur mère les a abandonnés, ça fait très longtemps. Monsieur, vous avez dit qu'elle a été inculpée au tribunal? Je vous en supplie, mes enfants. Puisqu'elle a refusé d'avouer. Je vous en prie. Oh, maman, Dieu. Hein? J'ai quelque chose à dire. Que devons-nous faire? Écoutez, cette fille est vraiment ignoble. Parlez. Ok. Si ça peut nous aider à avancer, parlez. Parlez juste. Ah, ce monsieur est vraiment ignoble. Il y a eu cette fois où... Je suis allée à son bureau pour chercher un emploi. Il m'a demandé de venir lui présenter mes diplômes pour qu'il me trouve un emploi. Je suis donc entrée dans son bureau. Oh, Dara, comment tu vas? Super. Alors, où est ton CV? Je l'ai remis à votre secrétaire. Elle m'a demandé de lui donner. C'est elle qui l'a. C'est bien. D'accord, allons parler dans le bureau. Allons-y. Après toi,
Ok, monsieur. Ah. Arrêtez, arrêtez, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, qu'est-ce que c'est que tout ça, non? Dis-donc, mais... toi. Arrêtez, s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, laisse-toi faire. Arrêtez. Et c'est ainsi qu'il m'a violée. Oui, c'était lui. C'était lui. Écoutez, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Ok, je comprends bien, c'est pour ça que vous l'avez tué. Quand je suis entrée à la maison, écoutez-moi. Mais pourquoi avez-vous fait une telle chose? Je vais me confesser pour que vous puissiez libérer ma sœur. Quand je suis rentrée, ma sœur m'a parlé d'un homme qu'il avait plaqué. Après qu'il ait promis de l'épouser. Puis j'ai vu la photo et j'ai réalisé qu'il s'agissait du même homme. Je me suis promis qu'il n'arriverait pas une telle chose à ma sœur et à moi et s'en tirer à bon compte. J'aime tellement ma sœur. J'ai donc rencontré des gars de mon école. Ah. Et je leur ai demandé de s'occuper de lui. Je ne savais pas qu'il allait mourir. Ils se sont occupés de lui. En le tuant, n'est-ce pas? J'ai juste demandé qu'il arrête de respirer. Ah, j'ai pris les choses en main et vous l'avez tué. Je ne leur ai pas demandé de le tuer. Maman, calmez-vous. Jeune fille, comment pouvons-nous voir les membres de la secte de votre école? Oh, je vous y conduirai. S'il vous plaît, libérez ma sœur. Ne l'inculpez pas au tribunal, elle est innocente. Calme-toi, ma fille. La meilleure chose à faire... c'est de l'arrêter. Maman, nous n'avons pas le choix. Madame, allons-y. Ah, grand-mère, il m'emmène. Allez. Oh, qui vais-je appeler? Où vais-je commencer? Maman, vous pouvez rester. Où vais-je absolument commencer? Pas de problème. Qu'est-ce d'accord, que non, je vais faire? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hey, Seigneur, que vais-je faire? Ah, où est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle a avoué qu'elle avait tué Obba. L'as-tu demandé de faire ça? L'as-tu demandé de le tuer? Maman, je ne lui ai rien demandé. Je n'aurais pas pu demander à Darasimi de faire une telle chose. Les policiers me l'ont déjà dit. J'ai eu peur quand les policiers me l'ont dit. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ils ont promis qu'ils allaient me libérer. Quand je serai libre, nous allons nous battre pour que... Nous allons nous battre pour elle. Nous devons nous battre pour elle. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ils parlent de meurtre. Je ne sais pas quelle serait sa sentence. Je ne sais pas. L'emprisonnement ne me dérange même pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne me condamne pas à mort. Une affaire de meurtre. C'est une affaire où quelqu'un tue quelqu'un. Ah, ils m'ont dit que c'est un meurtre. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et quand j'ai demandé à la police, ils m'ont dit que... c'est quelque chose de grave. Arrête, maman, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu pleures. Ah, prions, nous devons nous mettre en présence du Seigneur. Nous devons prier. Pour le moment, nous devons prier. De quand je serai libérée, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Je me battrai. S'il vous plaît, attendez, laissez-moi lui parler encore un peu. Non, s'il vous plaît. Venez. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Debout. Maman, ça va aller. Allez, debout. Ah. C'est bon. Allons-y. Maman, c'est bon, d'accord. Ne l'amenez. C'est bon. Arrête de pleurer, maman. Ça va aller. Aïe, aïe. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage.